C'est l'amiral Templier qui détient le paquet sur le navire de tête, capitaine. Il suffit qu'il donne l'ordre et le paquet sera perdu. Le paquet présente moins d'intérêt que le nom de son destinataire. Éliminons cet amiral qui fait office de messager et nous découvrirons le vrai visage de ces Templiers. Un coup bien placé à cet endroit! Il tire une salle! Faut réussir à le porter, allez! Attention! Ils ont touché le navire! Neptune, les enfants! Ils vont prendre du temps! Ils ont mis en plus cette fois! C'est la vie! Il tire une salle! Prêt à faire feu! Attention! Bastienne Joseph, bon prince. Mais qu'est-ce que les Templiers font là-bas? Capitaine! D'autres navires français nous prennent en chasse! Ils sont trop nombreux! Cette tempête va nous aider! On va se briser sur le rivage! Notre sort sera bien pire si les Templiers s'emparent de ce paquet! Aïe, capitaine!
attendra. Cette femme ne mérite pas ça. Merci, mon Dieu. Désolée. Je n'ai rien à t'offrir si ce n'est ma gratitude. Je n'attends rien d'autre. Enfant, j'ai dû fuir le même sort. Pourquoi as-tu risqué d'être repris ? Les hommes de principe savent que le seul vrai danger est de fermer les yeux. Je cherche Bastienne Joseph. Tu la connais ? Si je la connais, bien sûr que non. Mais n'importe quel gentilhomme peut te conduire à elle. Pour lui, c'est trop tard. Tu en trouveras un autre en ville. À mon tour de te remercier. Tu as un endroit où aller ? Ma famille m'attend dans les montagnes. Derrière les montagnes, il y a d'autres montagnes. Que Dieu soit avec toi. En sorte qu'il se calme, sinon... Inutile d'en dire davantage. Je sais de quoi vous êtes capable. Je ne ferai pas de mal à une mouche. Mais leurs contremaîtres ont le droit de les châtier comme bon leur semble. Cela ne sera pas nécessaire. Je transmettrai votre message. Mais cela coûtera cher. Nous en profiterons tous les deux. Puis-je vous offrir un autre de mes services, gouverneur ? Un vieillard comme moi. Je dois dire que Guzan m'a déjà épuisé. Alors je ne vous retiens pas. Madame Joseph, vous attendez un paquet ? Oui, mais pas venant de ta part. Où est l'amiral ? Je vois. Et est-ce que tu penses me faire subir le même sort ? Jette un coup d'œil. À la moindre menace, ces hommes te tueront. Je ne suis pas venu te menacer. Explique-moi pourquoi les Templiers te laissent agir à ta guise. Je ne suis qu'une messagère. Mais avant de me juger, rappelle-toi que leur argent, comme tout autre, permet d'acheter la liberté de tes frères. Je connais cette marque. Tu ne connais rien. Tu as la marque d'un esclave. L'éloquence d'un lettré. Les mains... d'un marin. Et la capuche d'un assassin. Et tu as peu d'armes. Tu as fait naufrage à cause de l'orage, non ? De quoi as-tu besoin ? D'un abri ? D'un navire ? La vente de ce paquet pourrait t'offrir toutes ces choses. Je n'ai besoin de personne pour les obtenir. Mais si tu peux prouver ce que tu avances, nous pourrons sûrement réussir à nous entendre tous les deux. Tu veux jouer à ce jeu ? Fort bien. Dans ce cas, tu vas me rendre service. Augustin Dieufort est un homme très secret. Tu devras trouver son contact à la plantation et lui transmettre ce message du gouverneur. Augustin te fournira toutes les preuves dont tu as besoin. Répète ce mot de passe. Silipadodo krabla va manger. Silipadodo krabla va manger. Pas mal. Tu es convaincant, comme baryton. Maintenant, tu ferais mieux de partir, avant que mes admirateurs se fassent des idées. Je connais cette terre. Dodo, crabe la va manger. La
L'homme que tu cherches se trouve par là. Merci, ma sœur. Ah ! Je vais te contrer ! Écoute, ils ne doivent pas s'échapper. La rivière. Vite, avant qu'ils ne ramènent d'autres ennemis. Tout près n'est pas chez soi. C'est quoi ça? J'en sais rien, t'en as raté un? Plus vite, pétain! Je fais aussi vite que je peux! Augustin Dieufort. Les gens parlent sans rien faire. Dieu fait sans rien dire. Le gouvernement français a deux visages. Bastienne nous aide comme elle peut, mais l'indépendance des Marrons peine à voir le jour. Et aujourd'hui plus qu'hier. Un guerrier comme toi serait très utile à notre cause. Je vous respecte, mais je sers une autre confrérie, et mon devoir est de la rejoindre dès que j'en serai capable. Mais seuls les esprits savent quand ce jour viendra. En attendant, j'ai ce qu'il faut pour toi. Des armes et un refuge. Peut-être pourrions-nous devenir des alliés. Que te faut-il? Des recrues, des esclaves affranchis. Ceux qui savent se battre se joignent à moi. Les autres font grandir la communauté pour laquelle on se bat. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je suppose que je pourrais t'aider quelque temps. Toute peine mérite salaire. Je ferai en sorte que ton aide soit récompensée. Mieux vaut ne pas tarder. Il y a fort à faire. Trouvez un endroit où vous cacher jusqu'à la nuit. Chaque jour, de nouveaux esclaves arrivent. La traite humaine est un commerce lucratif. Jadis, j'espérais que les gens instruits en comprendraient les conséquences. Mais le profit leur brouille la vue. Avec un bon navire, tu pourrais intercepter les négriers avant leur arrivée. Et tu seras libre de t'en aller. Tu as déjà beaucoup aidé la cause des Marrons de Saint-Domingue, et je n'agirai pas en maître. C'est à toi de décider. Ce brigantin fera ton affaire si tu parviens à te débarrasser de son équipage. Bastienne a proposé de se servir de ses filles pour éloigner les hommes. À moins que tu n'incendies cette tour pour les distraire. Toutes de très bonnes solutions. Qu'est-ce que c'est ? Des pétards. Récupérés par certaines de tes recrues. Je pense qu'ils te serviront. Excellente idée.
Quand tu m'en donneras le signal, j'enverrai nos hommes te rejoindre. Donnez toute la toile ! Augustin, je suis surpris de te voir ici. On n'a pas besoin de toi au quartier général. Je peux former quelqu'un d'autre à ce poste. Mais quand tu seras parti, qui commandera ce navire ? Tu dois m'apprendre. D'accord, mon ami. Mais ne m'appelle pas capitaine. Le chef de ces hommes, c'est toi. Mais tu en as gagné le droit. En mer, c'est toi qui seras notre capitaine. Comment as-tu appris toutes ces choses sur la mer, Adé ? C'est en mer que j'ai trouvé ma place. Et c'est grâce à des boucaniers que j'ai connu la liberté. J'ai tout appris en les observant. Ils ont refusé de t'enseigner leur art ? Ils ne m'auraient jamais pris pour capitaine. Même si j'étais le plus apte, seuls les assassins m'ont offert un vrai commandement. Dis-moi, Adé Wallé, je vois que tu as rallié la cause des marrons. Augustin dit beaucoup de bien de toi. Je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer, mais les marrons sont d'excellents guerriers. Augustin m'a fourni tout ce dont j'avais besoin en attendant que je puisse enfin retrouver mes frères. Je crois que j'ai mérité ce paquet, alors. Je vais le garder encore quelques temps, par sécurité. Tu n'es pas un homme de parole. Ma parole n'était qu'un peut-être. Je la tiens. Tu dois avoir mauvaise opinion de moi. Au contraire. Tu as réussi à rester libre au milieu des Français, en tirant profit de ton indispensable commerce. J'ai du respect pour toi. Mais je ne suis pas assez stupide pour croire quelqu'un d'aussi rusé. Tu as l'œil très affûté et la langue flatteuse. Étant donné que tu refuses de me fournir la seule chose que je désire, j'espère t'amener à faire preuve de respect par d'autres moyens. Je vais y songer. J'ai besoin d'un homme prudent et observateur pour enquêter sur le gouverneur. Il faut que je découvre ce qui le distrait et pourquoi il applique le code noir avec tant de sévérité. La vie des esclaves en dépend, Adé Wallé. J'aimerais moi aussi le savoir. J'accepte de te rendre ce service pour les esclaves. Peut-être
qu'il te reste un peu d'honneur après tout. Tu devras te déguiser. Tiens, tout ce qu'il te faut est là. Des haillons d'esclaves ? Pourquoi me faire subir cet outrage ? Tu veux me faire reprendre ? Outrage ? As-tu si peu d'estime pour tes frères asservis ? Et toi, as-tu de l'estime pour quiconque, ou sommes-nous tous des pions à tes yeux ? Tu n'auras jamais cette chance. Je ne te tends pas de piège. C'est juste que le gouverneur de Fayet a organisé une soirée et que ce goujat ne m'y a pas invité. Le festin qui s'annonce nécessitera la livraison d'une énorme quantité de vivres à la demeure du gouverneur. C'est là que tu entres en scène. Grâce à cette caisse, tu te mêleras aux hommes qui livreront les marchandises. Et une fois sur place, tu pourras épier ce cher gouverneur. Les contremaîtres ne me remarqueront pas, à moins que tu te moques de ce qui peut m'arriver. Je n'ai jamais vu de contremaître capable de distinguer un esclave d'un autre. Mais sois prudent. Tu as l'air aussi malin que tu es fort. Tu sauras te débrouiller. Oui, maîtresse. Les voilà. Rejoins-les. Mais sois vigilant. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Rentrez dans le rang ! Tu es qui ? Un ami. Formez une ligne ! Tu prends ça pour un jeu ? Non. Tous en ordre ! Il va tous nous faire tuer. Hey, tu fais quoi, toi, là-bas ? Allez, en ordre ! Il ne faut pas se laisser faire. Très bien. Trêve de mondanité. Je veux que ce domaine soit digne d'un roi à l'arrivée de mes invités. Quelle bande de fainéants. Ils mériteraient le fouet. Véritable prince pour supporter tout ça. Ah, j'ai mal aux pieds. À quoi bon se plaindre? Je me souviendrai de tes paroles. Silence. Change souvent. Aussi souvent que la nuit suit le jour. Si tu es un ami, prouve-le, étranger. La mission nécessitera plus de fonds que ne l'indiquaient nos estimations. J'ai entendu dire que vous aviez offert à Guzan un joyau qui vaut le prix de plusieurs navires. Cela juste. Si aucun navire espagnol n'est disponible, ne pouvons-nous pas en affréter un français ? Et risquer de déclencher une guerre ? Le traité qui lie nos nations est fragile. Au moindre soupçon de contrebande, il volerait en éclats. Si vous me fournissez les fonds et le navire, votre nom entrera dans l'histoire aux côtés du mien.
Merci pour votre offre, mais j'ai une colonie coûteuse à gouverner. Avec le nombre d'esclaves que vous apportez, je pensais que vous crouliez sous l'or. Même la main-d'œuvre gratuite coûte cher. Et remplacer un esclave est onéreux. Ces pauvres bêtes meurent avant de se reproduire. Alors, qu'as-tu découvert ? Le gouverneur se croit intouchable. Mais j'aurais pu le tuer à main nue, malgré ses gardes. Et il l'aurait mérité. Pourquoi as-tu besoin de lui ? Je veille sur mes amis, et encore davantage sur mes ennemis. Je dois savoir dans quel camp tu es. Vas-tu me dire ce que tu as découvert ? Qu'est-ce qui le distrait ? Il y a un savant du nom de Godin qui ne cesse de lui demander de l'argent. Pour une histoire d'expédition, des secrets de navigation. Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de cet homme ? Mes agents se seraient-ils retournés contre moi ? Le capitaine du port croit-il que je lui offre mes filles par gentillesse ? Vous voulez que j'en apprenne davantage ? En tant que marin, j'avoue que la science de la navigation m'intéresse beaucoup. Non. Oui. Je n'en sais rien. Fais comme tu veux. Va-t'en, je dois réfléchir. Bastienne, je craignais que tu n'aies succombé à la douleur de la dépression. Jamais. Ces hommes arrogants ne me couperont pas de mon réseau. Les esclaves seraient les premiers à souffrir. Ton orgueil aussi, peut-être. Peu importe qui souffre le plus, tant que j'œuvre à les rendre libres. J'ignore où tu la puises, mais je suis heureux d'entendre cette force dans ta voix. Comment puis-je t'aider ? Ce savant, Godin, qu'est-il vraiment venu faire ici ? Saurais-tu le découvrir ? Quels que soient ses secrets, je les trouverai. Commence par le capitaine du port. Il voit tous ceux qui arrivent et qui partent d'ici. Et il aurait dû me tenir informé. Ce qu'il demande avec le plus d'insistance sort de l'ordinaire. Afin de tenir ses registres scientifiques, Monsieur Godin exige trois esclaves éduqués. Oh, et qui les aurait instruits ? Le code noir interdit de toucher. Peut-être avez-vous un tel travailleur parmi vos esclaves domestiques ? Vous avez le droit d'en parler discrètement. Il y a une récompense à la clé. Mais que feront-ils ? Prendre des notes, j'imagine ? Aucun de ces savants français n'est en mesure de le faire ? Pas s'ils ont les mains occupées par leur matériel. Près d'ici. L'Espagne continue à insister pour que l'expédition embarque à bord d'un navire espagnol. Mais nous sommes désormais alliés. Est-il inconcevable d'accorder le passage à un navire français au nom de la science ? Après tout, nous aurons des chaperons espagnols à bord. Signé Louis Godin. Qu'est-ce que tu veux ? Une heure étrange pour délivrer un message. Est-ce qu'il concerne par hasard l'expédition qui va bientôt partir ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Hein ? Si tu aimes cracher, crache plutôt ce que tu sais. Non ! D'accord. Le gouverneur m'a fait dire au capitaine du port de choisir un navire français au lieu d'un espagnol à condition que... certaines marchandises soient transportées en guise de service. L'expédition servira de couverture à la contrebande. Je ne dirai pas ça si clairement, mais... Merci. Bonne nuit.
Sur le territoire de Quito, les plaines et les montagnes aideront aux triangulations. Nos mesures nous permettront de connaître la forme exacte de la Terre. Un globe, un ovale ou un œuf ? Là est toute la question. Avec un tel savoir, la France et l'Espagne navigueront avec la plus grande précision. Mais en temps de guerre, cela ne donnerait-il pas l'avantage à l'Espagne ? Collaborer était le seul moyen de parvenir à Quito. Ils ont toujours une foulée d'avance. Lorsque nous connaîtrons la circonférence de la Terre, nous pourrons naviguer de manière plus précise et mieux anticiper la position de l'ennemi. Il nous faudra moins de navires car nous en perdrons moins. Nos canons viseront juste. Sur le plan commercial, cette expédition peut mettre fin aux incessantes attaques des navires pirates sur nos vaisseaux négriers. Signé Gouverneur de Faye. Alors, qu'as-tu découvert ? Une opportunité qui dépasse l'imagination. Ces savants veulent découvrir des secrets de la navigation qui avantageront nos grands rois. Mais il suffirait qu'on s'en empare, et ce serait un atout extraordinaire pour ma confrérie et les marrons. Nous n'aurons qu'à leur procurer des recrues éduquées, et de cette façon, le tour sera joué. Et c'est tout. Rien de plus sur le gouverneur. Et c'est tout ? C'est tout ce qu'il nous fallait. Combien d'esclaves pourrons-nous libérer en détenant un tel savoir ? Il faut de l'équilibre en tout, Adewale. Pour obtenir l'indépendance, les marrons ont besoin de stabilité, de discrétion et d'information. Ça a toujours été mon rôle. Mais plus maintenant. Voilà ce que je craignais. C'est l'orage qui t'a amené ici. Et tu nous quitteras dans cette tempête d'opportunités et d'imagination. Alors je me retrouverai seul ici. Pour suivre cette lutte. Perdue d'avance. Non, l'insurrection des marrons est inévitable. Je dois les aider, je ne partirai pas avant, c'est certain. Tu es aussi arrogant que les Français. Des étrangers, tous autant que vous êtes. Toi autant que les autres. Bastienne ! Non, va-t'en. Adewale, ton ambition me laisse perplexe, mais j'ai promis mon aide à Augustin. Qu'est-ce que c'est ? Un manifeste contrefait, à ce qu'il paraît. Écrit par l'une de tes fameuses recrues. Joachim François, Henri Marchand, Fortuné Jean. Bien. Je suis sûr que vous serez très utile à l'expédition. Louis Godin doit rencontrer le capitaine du port pour régler les derniers détails concernant cette expédition. Tu pourras en profiter pour substituer les manifestes. À ton signal, nous serons prêts à embarquer. Merci. Et merci à toi, Bastienne. Je suis dévouée aux marrons de Saint-Domingue. Ce poids empêche d'emporter d'autres. Non.
pavillon noir. Ils n'en feront qu'une bouchée. Nous devons protéger ce navire. Français ou pas, ces savants doivent arriver à destination. Nos frères à leur bord doivent s'emparer de leurs secrets. Ils valent bien plus que n'importe quelle cargaison. Aïe, capitaine. Nous sommes prêts à combattre. Avec des vents favorables, nous serons bientôt sur eux. C'est maintenant ou jamais, capitaine! Adé, Augustin a entendu parler d'un autre navire négrier à intercepter. Je t'implore de revenir sur ta décision. Des consignes spéciales de ton confident occasionnel, le gouverneur ? Non. Ce que je craignais est en train de se produire. Avec tous les esclaves que tu as libérés, les Français ont cédé à la panique. Alors que ces Français récoltent les fruits de leur déchéance. Ce n'est pas si simple. Le couvre-feu est très strict. Les châtiments sont plus durs et plus fréquents. Tu aides ceux que tu as affranchis, mais as-tu idée de ce que deviennent tous les autres ? Un prix modeste pour l'indépendance. Plus tôt Augustin soulèvera ses hommes, plus tôt les esclaves vivront en paix et en hommes libres. Le gouverneur de Fayet menace de représailles. Il est donc bien derrière tout ça. Non, Adewale. Pas un mot de plus. Je ne veux rien entendre. Quand tu étais pirate, tu as croisé beaucoup de navires négriers ? Bien trop souvent, oui. Mais quand je naviguais avec Kenway, seul le butin comptait. Le butin ou les informations menant à d'autres prises. Tu n'as jamais cherché à intervenir ? Quand on a l'intention de rester maître d'équipage, mieux vaut garder ses pensées pour soi. Mais oui, j'en ai eu l'envie plus d'une fois. Quand les assassins m'ont fourni l'occasion de poursuivre des objectifs plus nobles, j'ai abandonné le pillage. Ainsi que les navires négriers ? Non, car je demeure un assassin, et j'ai retrouvé ces navires. Je ne regrette à aucun moment mes années de pirate. Tu as profité de ta liberté. Elles m'ont endurci pour la tâche à laquelle je m'attelle maintenant. Et quand ta formation sera finie, rappelle-toi que tu la dois à des pirates. Oui, capitaine. Reste hors de portée, c'est toute la toile ! Prêt à faire feu ! Fais attention, René ! C'est à cet endroit qu'il faut tirer ! Là, capitaine ! Un tir bien placé aura raison de lui ! On fait grand vol ! Non ! Ils vont couler le navire ! Tout de suite, ils vont couler ce négrier ! Allez ! Larguez-moi ces voiles ! Carguez ! Carguez ! Sur ton ordre, capitaine! C'est le navire, capitaine! Ça ne tombe jamais, capitaine! Que des planches! Capitaine Adé, nous devons agir au plus vite! Je descends à la cale, maîtriser ces incendies et préparer l'experto crédé à recueillir. Dépêchez-vous! Vite!
ce gouverneur de Fayet. Je croyais comprendre son indifférence. Mais jamais je n'aurais pu m'attendre à une telle cruauté. Vous tentiez de m'avertir. Nous sommes tous coupables. Mais ce chien de gouverneur va le payer de sa vie. Mon credo exige que je règle cette histoire. À quoi bon, Adé ? C'est inutile. La vengeance n'est qu'un froid réconfort. Après deux faillets, un autre tyran viendra prendre sa place. Sa mort donnera de l'espoir à cette génération de guerriers. Ils devront toujours chérir l'idéal de l'indépendance. Et toutes ces âmes qui ont été fauchées ? Certaines ont à peine connu la vie. Nous les pleurerons pour toujours. Je crois que le temps est venu. Le gouverneur devient prudent, ses gardes nonchalants. Ils ont déjà oublié la terreur qu'ils ont fait régner. Je vais leur rafraîchir la mémoire. Après avoir éliminé deux faillets, tu ne seras plus en sécurité ici. Pas plus que les marrons, si je reste. Je serai triste de te voir partir, mon ami. Nous nous reverrons pour fêter l'indépendance des marrons. Tu connais bien le domaine de la résidence du gouverneur. Agis au bon moment. Et ne te fais pas prendre. Qu'est-il, ce vaisseau fantôme ? Mes frères, ils n'ont pas survécu au voyage. Je vais personnellement vous traquer et vous tuer tous jusqu'à ce que j'aie ma réponse. Où est le repère des marrons ? S'il le faut. Les marrons vont gagner. Je t'entends pas ! C'est lui ! Le chef ! Attaquez-le ! La patrouille va lui bloquer la route. Il est temps d'aller saluer Saint-Pierre ! Ramenez cet esclave ! Qui viendra à ton secours ? Tes esclaves ? Les contremaîtres qui obéissent à tes ordres ? Tu es pitoyable. Quel genre d'homme ne sait pas se défendre ? Pourquoi ? J'ai tué beaucoup d'hommes par principe, mais je n'ai jamais souhaité faire souffrir quelqu'un autant que toi, afin que tu sentes venir ton dernier souffle. Et que tu supplies qu'on te laisse vivre comme les innocents que tu as noyés. Tu parles de ces esclaves, de ce navire, mais ils ne sont même pas humains. Sans la discipline et les ordres de leur maître, ils se tournent vers la révolte et le meurtre. Oui, comme toi. Si seulement c'était vrai... C'est fait. Et il a souffert, je m'en suis assuré. Tu es venu me faire tes adieux ? Pour l'instant. Mais surtout pour te remettre ceci. Oh. Bastienne, après tout ce temps, on dirait que ça ne t'intéresse plus.
Tu n'as pas peur que les Templiers mettent la main dessus ? Je crains d'autre chose. Aucun complot des Templiers n'égalera ta colère. Oh, tu veux plaisanter. À un moment pareil. Seulement pour alléger le chagrin du départ. Tu vas retourner à ta confrérie d'assassins. Et aux sombres tâches qu'elle te confie. Je vais la rejoindre, oui. Mais je sens quelque chose changer en moi. Je ne suis plus tout jeune. Je dois vouer mon énergie à ceux qui luttent pour la liberté. J'utiliserai ma foi en mon credo pour les défendre. Ainsi que tous ceux qui se battront avec moi. Personne ne voudra plus me lâcher. Je vais le garder en souvenir.